Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus pour la fête des mères. Alors, il y avait deux kits, je vous les montrerai après. Ensuite, il y avait donc ce papier-là. Donc, ma fille m'a pris deux blocs. Elle croyait qu'il y avait un petit et un grand. Donc, elle m'a pris les deux. Mais c'est pas grave. Donc, c'est la collection Polar Playtime. Donc, je vous montre. Une collection d'hiver avec des petits pingouins. Nous avons là des petites choses à découper. Et nous avons plusieurs feuilles identiques. Donc pour faire des petites cartes ou des petites pochettes dans un album. Au dos, nous avons des petites sonnettes comme ça. Donc il y a 3-4 pages identiques. Ensuite, des petites sonnettes comme ceci, avec au dos un papier avec des petites étoiles, des flocons. Plusieurs. Ensuite, nous avons un petit papier comme ceci, avec ces petits pingouins. Donc, recto verto, c'est identique. Hein. Ensuite, nous avons un papier avec des petits poissons dans la neige et au dos un papier vert à figure. Donc il y en a 4 identiques. Ensuite nous avons des skis et des chaussures de ski. Au dos la même chose mais sur fond noir. Après, nous avons un papier un peu foncé avec ces décors-là. Au dos, des petits pois de couleur. Là, nous avons des petits pois. Et au dos, la même que au dos, mais sur fond blanc. Plein d'écriture. Ensuite, nous avons des petits bonnets et des petites écharpes de Noël. Au dos, la même chose, mais sur fond noir. Après, nous avons des petits quadrillages comme ceci, des petites grilles en fait. Et au dos, un papier avec, je ne sais pas si vous allez voir, il y a un petit peu de glitter, ça brille. Après, nous avons ce papier là, c'est pas mon papier préféré, mais ça peut être sympa aussi. Au dos, nous avons du papier rose avec des petits ronds. Et ensuite, nous avons les petits pingouins à détourer. Dans cette collection, il y a aussi les petites demi-perles. Et nous avons les petits die-cuts. Je vais vous montrer. Donc ils sont un peu épais. Si je le mettais dans le bon sens, ce serait mieux. Les petits pingouins. Petits phoques. Deux petits poissons. Voilà. Ensuite, il y avait Grimini Création. Donc, un tampon. Et c'était vacances 2021. Ensuite, la dame nous avait fait un petit cadeau. Donc, c'est une planche Germini Création Terracotta 2. Après, nous abordons donc les kits. Alors, le premier kit, collection donc Germini, les petits poissons dans l'eau. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans la collection.
Donc il y a d'abord les grands papiers. Donc c'est du 30-30. Avec plein de petits mots là, c'est sympa. Ensuite, ce papier-là, avec des petits poissons. Et au dos, d'autres poissons. Une planche comme ceci. Je vais mettre à l'endroit, ce sera mieux. Voilà. Et au dos, des rayures. Ensuite, nous avons les petites cabanes de plage. Et un dos, au dos, un fond bois. Nous avons là, avec un phare. Et au dos, la mer avec des petits poissons. Une feuille comme ceci, avec des petits poissons. Au dos, la mer, toujours avec des petits poissons. Très très sympa. Là, nous avons des petites bouées. Et au dos, une journée à la mer. Alors, dans ce kit, il y avait... des petits papiers, donc c'est exactement les mêmes mais en format 15-15. On a vu exactement les mêmes en format 15-15. Nous avons un grand morceau de ruban qui doit faire à peu près un mètre, je pense. Pardon, voilà un plus petit ruban. Nous avons comme des petits tickets. Nous avons une planche de Easy by Asa BBLA. Nous avons des pailles. Donc des pailles de couleurs différentes. Un petit bout de fil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petites fleurs. Ceci, des petites fleurs comme ça. Il y en a deux comme ça. Non, trois comme ça. Petites fleurs bleues. Nous avons des petites étiquettes. On a plein de petites épingles. Ensuite, on a encore sorti. Encore des papiers de la collection. On a des toutes petites perles de pluie, du soleil. Je ne sais pas si vous allez voir. Ensuite, elle m'a pris aussi donc un tampon Jimini Création Collection Voyage 2020. Comme ceci, avec plein de petits mots en bas. Donc une planche de tampon. Une autre planche avec, alors ça s'appelle Silicone Clear Stamp Globoland. C'est des petits animaux comme ça. Voilà, et ensuite, un autre kit. Alors, je vais vous montrer d'abord les papiers. Donc, c'est la collection Grimini Création, collection Escapade à la mer. En 30-30. Donc, nous avons donc la page de couverture. Ensuite, nous avons des petits arcs-en-ciel avec des petits poissons. Donc, il y a deux fois la même feuille. Ensuite, nous avons
des petits ronds comme ceci, avec des petites étoiles de mer, de feuilles identiques. Nous avons ce design là et au dos très sympa aussi, ça pour faire des petits albums, c'est sympa. Nous avons des lignes de ce côté là et de l'autre côté des petites maisons de plage, donc de feuilles. Nous avons un papier un peu rose orangé avec des petits pois et au dos plein de petites glaces et de gourmandises. Donc de papier, nous avons un papier avec des lignes vertes comme ceci et au dos des petits avions en papier, donc de feuilles. Après nous avons une feuille comme ceci avec des petites cartes à découper d'un côté, l'autre elle est blanche comme ça, pas de souci. On a une petite feuille très très fine, très très jaune. Après nous avons les petits papiers exactement les mêmes mais en version 15-15. Nous avons deux paquets en 15-15. Nous avons des planches d'étiquettes, alors il y en a deux, des planches d'étiquettes avec des mots en français. Donc c'est les deux mêmes. Ensuite nous avons le même tampon qu'on a eu en cadeau, on l'a une deuxième fois. Nous avons ce petit tampon, alors terracotta, hein. Donc c'est des visages de femmes. Et puis des petits mots. Alors on a sous le vent exactement, naturel, juste. Donc on peut personnaliser une carte ou autre. Nous avons aussi des pailles pour notre création. Et on a deux paquets de die cut. Donc le premier, je ne sais pas s'il y a un nom. Alors c'est Ephemera Collection. Donc escapade à la mer qui va avec la collection de papier. Alors ceux-là ils sont très très fins, autant les autres étaient épais, autant ceux-là sont fins. Donc il y a des petites maisons de plage. Des petits animaux. Petit poisson, plein de petits animaux sympas. Et dans l'autre collection qui n'a rien à voir, c'est précieux souvenirs éphéméra, toujours Grimini création. Et ça, il y a pas mal d'appareils photo visiblement. Donc il y a des appareils photo de différentes couleurs. Nous avons des films, des bobines de films. On a des petites fleurs par exemple, encore des appareils photo, des petites enveloppes avec des cœurs, d'autres styles d'appareils photo. Nous avons des petites étiquettes, encore des fleurs, un autre appareil photo. Alors des petits insectes comme ceci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dame qui prend une photo. Autre. Et puis, machine à écrire. Et d'autres petites étiquettes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.